Alors voilà, on est à Saint-Pré, c'est 9h du matin, donc là on est parti pour notre grand voyage. Donc la première étape c'est d'aller jusqu'à Nyon en autostop, et ensuite on va faire du bateau stop pour traverser le lac Léman et arriver sur Thonon-les-Bains ou bien l'autre côté, du côté français. Voilà. Oh yeah. Bon, explique-nous un peu ce qu'on a reçu là. Bah on a reçu une bonne dose de pastilles à la menthe. On sait pas si on avait peut-être une mauvaise haleine, mais... Je pense que c'est essentiel pour un bon autostoppeur. Prêt ? Super effet, super effet. Malade. Bah, c'était pour la prochaine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? On a juste une question à vous poser. Ouais. On est des voyageurs et on espérait faire du bateau stop pour aller jusqu'à l'autre côté pour nous diriger ensuite vers le sud de la France. Et on cherche quelqu'un qui pourrait nous faire traverser le lac. Alors, je ne sais pas si c'est possible avec vous. Est-ce que vous traversez le lac aujourd'hui? Vous venez d'où? On vient de partir de Saint-Pré en fait. Mais vous venez d'où? On est suisse, on vient de Saint-Pré. Vous habitez Saint-Pré? Oui. Ouais. Et notre but est d'aller jusqu'à Biarritz, au sud-ouest de la France. Sans rien payer. On n'a pas d'argent. Mais on peut donner en retour des services comme nettoyer votre bateau, ce que vous voulez. C'est ça l'idée, ouais. Voilà. Ouais, regardez. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, ah, c'est ouais, parfait. Pas être attention. Ouais. Ah, c'est génial. Super. C'est vraiment super. La première personne à qui on demande, ouais, c'est cool. Sur le bateau en compagnie de Alain et de Marie-Rose. Donc en fait c'est le premier bateau à qui on a demandé pour le bateau stop et puis ils nous ont dit oui très gentiment en direct. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Donc là on arrive en France, on arrive à Nernier et puis depuis là on va partir en stop et puis on se dirige vers Annemasse et puis l'autoroute. Et puis l'autoroute, voilà. On vient d'arriver à Nernier. Et puis Y a Alain et Marie-Rose qui viennent de nous déposer. Là on était en bateau, on a fait la traversée depuis Nyon. C'était des gens vraiment super sympas, ils nous ont accepté directement. Ouais. C'est la première fois qu'on faisait du bateau stop là, c'était un peu je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne expérience, surtout que c'est la première fois qu'on le fait et puis que ils nous acceptent du premier coup, c'est vrai que ça fait plaisir et puis ouais. C'est un bon challenge, on savait pas si ça allait marcher et puis là vraiment premier bateau, première personne, ça a marché direct. Ouais, donc un bon... Ouais, on a pu apprendre un peu deux trois trucs sur la voile et tout, c'était sympa de venir jusqu'ici et puis voilà, on espère rencontrer d'autres personnes comme ça durant le voyage. Ouais. Soit on continue pour aller chercher quelque chose avec le pain là, soit on part directement pour Annemasse, mais t'as pas un peu faim toi? Bah... Ah, ça me dirait de bien mettre un peu genre du caviar, quelque chose de cool là-dessus. Du caviar. Ah. C'est bien. Qui sait hein? Bah... je sais pas. Bah... on peut leur demander aux gens là-bas à la route. Ouais. Et puis après... à la limite... peut-être que sur le chemin on trouve des gens. Ou bien on trouve un restaurant qui est peut-être un petit peu moins occupé. Et puis à la limite on peut mettre de la mayonnaise sur notre pain. Juste de la mayo. Bon.
Annemasse, il y a un certain Nicolas, étudiant à Lyon, qui nous a posé à la barrière de péage juste à l'entrée de Lyon, donc qui est là derrière moi. Et maintenant, on espère trouver quelqu'un qui va nous prendre jusqu'à Bordeaux, on va dire. Non, mais Clermont-Ferrand, à la limite Périgneux. Périgneux, ça s'appelle. Ouais. Ok, Périgneux, après Bordeaux, et après, on descendra sur Biarritz. Donc, on espère aujourd'hui avancer encore un petit bout. Il est 16h30. 16h30. Et puis, on se ravitaille un petit peu. En attendant, on mange des fruits secs. Et voilà. C'est là qu'on va devoir faire du stop. Oh yeah! Bon, alors maintenant il est bientôt 9h. On a demandé l'hébergement à une famille juste en bas. Apparemment c'était complet, mais ils nous ont redirigé vers des autres amis qui sont un poil plus haut. Donc ils ont une salle, une petite chambre là, donc on va pouvoir dormir au chaud cette nuit, c'est cool. Il y a pas mal de chances qu'ils nous acceptent, hein. C'est pas encore sûr, mais ouais. Ça a l'air d'être vraiment bien parti. Je pense que là, puis, peut-être qu'on aura la nourriture ce soir. On espère qu'ils nous offrent un petit peu à manger aussi. Voilà, on verra. Ça serait vraiment chouette. Et, donc c'est la rue là, au feu, il a dit. Hein. Ouais, je pense que c'est là. Feu à droite. On se situe à Lyon. On a réussi à sortir du centre de Lyon parce que c'était vraiment compliqué de faire du stop là-bas. Donc maintenant, on est plutôt dans la périphérie. Puis en fait, on a rencontré une famille qui était très sympa, ils nous ont accueillis très gentiment. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de place chez eux, donc ils nous ont dirigés vers des amis à eux. Donc c'est là où on se trouve maintenant, et puis ils sont plutôt sympas. On n'a pas eu beaucoup de contact avec eux, ils sont plutôt... ils sont plutôt sympas, mais on espère les voir demain matin. Purée, c'est pas sérieux là. Donc on espère les voir demain matin. Et puis on part en direction de Clermont-Ferrand. Et puis on espère être demain soir à Biarritz avec de la chance. Premier bateau, t'imagines? La chance qu'on a quand même. Je pense que tout était dans le... Ça va? Un petit coup de bronzer. Bon bah, j'y arriverai jamais, je crois que c'est mission impossible. Bon, vous êtes prêts? Dégueulasse! On hésitait entre continuer pour aller directement à Clermont-Ferrand ou bien. Qu'est-ce que c'est?